Salut à tous, petite sortie avec Geeks dans les monts du Pilat. Il y a beaucoup de montées là quand même. Mais bon, ça reste fun. Il arrive. Mec, j'ai eu de la chance de fou. Il y a eu un ours derrière là. Il m'a regardé de travers, il était avec sa carotte là comme ça. Et après, bah, je lui dis salut, il m'a pas répondu. J'ai tracé quoi. C'est dur. Nous sommes bien dans le Pilat, hein. Les ours. Oh putain, j'ai pas signé pour ça, hein. Y a déjà de la boue. Tu m'avais dit que c'était sec chez toi. Ouah, ça glisse, Jean-Pierre. Commencer direct dans la descente là, sans chauffer, c'est pas évident. Et parler alors qu'il y a de la boue, on s'en prend plein dans la bouche. Putain, par contre, c'est beau comme tout. Aouh. Ça c'est fait. Ça fait mal et en plus j'ai glissé sur un mètre. Bon. Ça fait un kilomètre, première bûche. La neige, ça glisse. Trop de cailloux, trop de cailloux, trop de cailloux. Moi je vais doucement. Parce que je flippe comme une fillette qui n'a jamais fait de vélo. En fait, la première bûche, elle m'a quand même bien refroidi. Donc là, du coup, j'y vais mollo. Voilà, lui, il part comme un taré. Là, c'est plaisant. Ça, j'aime. Voilà. Ça roule. Il n'y a pas de piège. Tu peux faire des petits jumps et après tu replonges et ça part en couille. Hey Geeks, ah. Je peux laver mes crampes? Tu me fais pas les pneus. Merci beaucoup. La chasse à 2 km à l'heure. Vas-y, tu vas me crever là, j'arrête. Foiré. J'aurais pas dû jouer. Il m'a crevé, salaud. Mec, c'est mis un challenge de pousser mon vélo. Pendant que moi je porte son casque. Franchement, elle est au moins 30 degrés celle-là. C'est tellement penché. Ah la vache. Putain, je grimpe plus. L'autre, il est en train de siffler. Alors que moi je suis en train de crever. On n'est pas tous égaux. Hein. Note pour plus tard. Si vous allez rouler avec Geeks, ne faites pas confiance en son trajet. Car il aime monter, mais il n'a pas le sens des proportions. Il y a tout mon corps qui me dit nique ta mère là en fait. 25 minutes de descente, une heure et demie de montée. C'est trop beau. Ah ouais, c'est beau. C'est la première que je fais comme ça, je crois. J'ai la pression. Juste à 2 à l'heure. C'est pas grave que tu sois à 2 à l'heure. T'es sur ton vélo. Ah, ça va pas être fun, hein, je te le dis. Meanwhile. Ah bah ok, tout droit. Pourquoi pas. Allez, le cul en arrière. On laisse glisser. Souple et détendu, comme dit le capitaine. Sauf que je suis pas souple ni détendu. Et là, je me prends à ton arme. Classe. Je ne m'attendais à rien et je suis quand même déçu. Je peux laver mes crampons? Non, pas ici. J'ai même pas envie de le descendre à pied. En fait, je pense. Et ça monte encore. Putain, j'en ai marre de monter là. J'ai envie de descendre. Je te sens dans mon cul là. C'est dégoûtant. Allez, tout droit, passe-le. Non, je prends pas le kick. Ah. Putain, j'ai loupé ça. Bah ouais. Virage à gauche. Oh là là, lui, j'aime pas la droite toujours, putain.
Allez, bien derrière. Voilà. Continue, c'est parfait, t'arrêtes pas. C'est impeccable, t'arrêtes pas. T'es bien là. Meanwhile. Ah ouais, quand t'as comme ça. Oh. Même à pied, je sais pas comment le passer. À pied, c'est un peu dangereux. Ouais. Ah, là, j'ai perdu toute confiance, de ouf. Et ben voilà! Dommage! C'est la DH du bras, il y a des. Putain, elle est vraiment cool! Ah, elle est cool, enfin bon. Bonjour! C'est le paysage de Windows XP là-haut, là, à droite. Un petit peu plus tendu. Oh, putain, tu m'as fait peur.